Allez, salut tout le monde, c'est Taz de Récupération, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 101, les amis de notre aventure 100% sur Hyrule Warriors, l'ère du fléau. J'espère que vous allez bien. Pour ma part les amis, je vais très bien. Souvenez-vous de l'épisode précédent, on avait fait l'épisode stade dans lequel je vous avais expliqué tout le contenu de ce que nous avons obtenu dans l'épisode 1 à 100. Donc dites-vous que je n'ai rien fait, donc l'émission de combat je ne les ai pas touchées, l'émission de Hyrule je ne les ai pas touchées. Donc voilà, par contre j'ai juste fait un truc avec les armes. Donc juste vendu une, ou non, fusionné une ou deux armes, c'est tout. C'est vraiment tout. Moi on n'avait vraiment rien fait d'autre, hein, tout simplement. Donc du coup, voilà, on avait vraiment, je vous avais montré tout, tout ce que nous avons obtenu durant les 99 du coup précédents épisodes, plus 100 si on compte avec les figurines Amiibo qu'on a scanné l'épisode dernier. Et donc du coup aujourd'hui les amis, nous allons nous attaquer aux missions de combat, comme à son habitude. On va s'attaquer du coup à l'entraînement des grandes fées. Et mais avant ça, on va, vous avez vu qu'on a des missions d'Hyrule à faire avec du coup la grande fée. Et donc du coup bah, c'est ce qu'on va faire tout simplement. Donc déjà il y en a une de superbes boucles d'oreilles. Une paire de boucles d'oreilles va être présentée comme offrande à Kotura afin d'accroître encore sa puissance, collecter les gemmes nécessaires à sa fabrication. Donc du coup cela requiert 5 copales brutes sur 16 et 350 certificats de Bokoblin sur 5562. Donc on va livrer les matériaux requis. Une paire de boucles d'oreilles géantes ornées de nombreuses opales a été réalisée par un artisan et offert à Kotura. Fort satisfaite, elle a eu l'idée d'une nouvelle technique. Récompense, un nouveau combo pour les grandes fées. Et du coup, notamment notre nouveau combo. Donc, évidemment, du coup, on peut faire un peu plus de... Enfin, c'est 5 fois Y, du coup. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Alors, du coup, on continue avec, du coup, les amis, une bague luxueuse. Une luxueuse, plutôt. Une bague va être présentée comme offrande à Mija, afin d'accroître encore sa puissance, collecter les gemmes nécessaires à sa fabrication. Donc du coup, cela requiert 5, saphir brut sur 5, putain, il me manquera plus, ah, j'en aurai plus du tout. 150 certificats de Les Alphas sur 2782 et 20 certificats de Tilrock sur 81. On va livrer les matériaux requis. Une bague géante ornée de nombreux saphirs a été réalisée par un artisan et offerte à Mija. Fort satisfaite du bijou qu'elle a passé à son auriculaire, Mija a invité ses sœurs à s'entraîner. Nouveau combo pour les grandes fées. Du coup, nous avons un nouveau combo Y, donc du coup, c'est 6 fois Y. 5 fois Y, pardon, pour les grandes fées. Ok. On continue avec un magnifique bracelet. Un bracelet va être présenté comme offrande à Seiza, Kaïza, peut-être. Peut-être que c'est Kaïza. Afin d'accroître encore sa puissance, collecter les gemmes nécessaires à sa fabrication. Du coup, cela requiert 5 rubis bruts sur 15, 35 certificats de Juju sur 144 et 10 certificats de Boblin sur 130. On va livrer les matériaux requis. Un bracelet géant orné de nombreux rubis a été réalisé par un artisan et offert à Kaïza. Fort satisfaire par la qualité du bijou, Kaïza a eu l'idée d'un nouveau coup fatal. Récompense, un nouveau combo pour les grandes fées. Parfait, du coup nous avons 6 fois Y, les amis, mine de rien, ce n'est pas négligeable. Donc voilà, on avance, on progresse. Alors du coup, on continue avec un collier somptueux. Un collier va être présenté comme offrande à Terra, afin d'accroître encore sa puissance, collecter les gemmes nécessaires à sa fabrication. Cela requiert du coup 5 topazes brutes sur 22, 50 certificats de chauve-souris sur 293 et un certificat d'inox sur 3. On va évidemment du coup livrer les matériaux requis. Un collier géant orné de nombreuses topazes a été réalisé par un artisan et offert à Terra. Fort satisfait du bijou qui scintille à son cou, Terra a planifié un entraînement matinal. On récompense, un nouveau combo pour les grandes fées. Et oui, les amis, du coup, on peut faire 7 fois Y. On peut voir une, 3, 4, 5, 6, 7. Bah, 7 fois Y pour les combos, donc ça va nous faciliter un petit peu la vie. Oh, ok. Ça s'arrête plus. On continue avec des fers à cheval inusables. Inusables, c'est ça. Un pendentif va être présenté comme offrande à Marion. Divinité des chevaux entraînés dans les affrontements par les quatre sœurs fées. Marion. Hein, Marlon, pardon. Marlon. Ben Marion, qu'est-ce que je dis? Marlon. Ben oui, Marlon, la rousse, la petite jeune rousse. La petite jeunette. Réunissez les gemmes nécessaires à sa fabrication. À sa fabrication. Du coup, nous avons cela requin. Et c'est ça que ça fait mal. 7 diamants bruts sur 12.
30 certificats doctour sur 85, 1 certificat de sorcier sur 50 et 2 certificats de Linel sur 2. Les amis, je sais, ça c'est très coûteux, mais on n'a pas le choix. Un pendentif en fer à cheval orné de nombreux diamants a été réalisé par un artisan et offert à Marlon. D'abord, perplexe, il va vous remercier en vous montrant sa plus puissante technique. Nouveau combo pour les grandes fées. Donc du coup, cela fait un total de 6 fois X à faire. Donc écoutez, tant mieux. On continue avec... il me manque ça. Bon, ça s'achète, donc dites-vous que ce n'est pas très grave. Ça s'achète, donc bon, on va vite en acheter. On va vite en acheter un, donc c'est ici. Donc c'est 900. Voilà, épuisé. Alors du coup, maintenant on peut le faire. Elle est où? Grande fée, voilà. Alors du coup, prospection pour les offrandes. Les fidèles des grandes fées organisent un voyage minier. Ok, minier, j'apprends un truc. Minier spécial, joyau d'offrande. Ils vous ont demandé de leur montrer des gemmes précieuses pour savoir savoir quoi chercher. Sur leur requin, du coup, un rubis brut sur 10, un saphir brut sur 1, un diamant brut sur 5, encore des diamants, et 20 certificats de Tilorock sur 61. On va livrer les matériaux requis. Après avoir reçu vos échantillons, les fidèles ont creusé sans relâche dans tout le royaume et ont déterré des gemmes du premier qualité. Les grandes fées vous seront sûrement ravies. Récompense, grandes fées. Donc nous avons gagné un réceptacle de cœur avec les grandes fées. Écoutez, pourquoi pas? Voilà. Tant mieux. Par contre... Quoi ça me fait ça? Y'a rien ici. Mais qu'est-ce que tu me dis toi? Ah, diamant brut. Ah oui, bah oui. Bon, bah écoutez, on continue avec du coup les grandes fées. Hein. Promotion du village de Cocorico. Les adeptes de la grande fée de Cocorico veulent encourager le tourisme dans leur région pour que les offrandes se multiplient. Préparez des spécialités du coin et passez le mot. Cela requiert 10 carottes tempo sur 35, 10 citrouilles armo sur 106 et 350 certificats de Bocobline sur 5212. On va évidemment livrer les matériaux requis. Grâce à la promotion des spécialités de Cocorico que vous avez faites dans tout le royaume, les touristes affluent au village. La fontaine de la grande fée devrait recevoir plus d'offrandes. Donc du coup, nous avons gagné en récompense un réceptacle de cœur avec les grandes fées. Donc, tant mieux, on continue. Ouais. On l'a surcheat. Ok. On continue avec la route vers les confins du désert. Suite à la demande insistante des adeptes de la grande fée, la route qui mène à la cité Gerudo va être prolongée jusqu'à la fontaine. Préparez de quoi rafraîchir les ouvriers. Du coup, cela requiert 20 papillons glagla sur 99, 20 libellules glagla sur 35, putain, par ça, par contre, il m'en manquera plus beaucoup, 3 ailerons de mol d'arcor sur 17, sur 6, et 150 certificats de les alpha sur 2632. On va livrer les matériaux requis, et évidemment... Les ouvriers qui avaient de quoi se rafraîchir ont été plus efficaces que d'habitude. Ils ne sont pas encore arrivés à la fontaine. Mais à ce rythme, il ne leur faudra plus longtemps. Grande fée, nous avons obtenu du coup une récompense de 2 réceptacles de cœur avec les grandes fées, les amis. Et ben voilà. Et encore. Et encore, pourquoi pas après tout. Alors du coup, on continue. Est-ce que... Ah, donc là, c'est là où il me manque... Oh, il me manque même 2 choses. Il me manque beaucoup de choses encore, hein. C'est dingue. Ici, on peut faire, ok. Embellissement de la fontaine. Les 4 sœurs ont l'air un peu sombres ces derniers temps. Les offrandes se font rares. Trouvez des objets colorés pour attirer les passants devant leur fontaine. Alors, du coup, cela requin 15, violet tempo sur 65, 15 B sur 108, 15 herbes de glace sur 122, 10 fleurs célènes sur 182 et 20 certificats de chouchou sur 109. On va évidemment, du coup, livrer les matériaux requis. Maintenant que vous avez planté des plantes colorées, les visites aux fontaines se multiplient, ainsi que les offrandes. Les 4 sœurs de Marlon ont retrouvé leur bonheur. Nous avons du coup gagné une jauge de coup fatal avec les grandes fées en récompense. Eh ben écoutez, voilà, pourquoi pas?
Après tout, on continue. Est-ce qu'on peut continuer? Non. Ah, et là, il me manque. Ah, il me manquera encore des certificats de l'INEM. Mais bon, c'est des choses qu'on fera plus tard, ça, quand on aura l'occasion. On va pas farmer maintenant. On va directement s'attaquer, les amis, parce qu'en tout cas, on aura fait vraiment pas mal de choses. Donc, logiquement, ouais, logiquement, il nous manquera pas beaucoup. Pas beaucoup de choses. Honnêtement, mission de Hyrule, grande fée. Et bon, ça c'est le certificat de l'INEL. Hein, voilà. Bon, après, voilà, c'est pas foufou, mais dites-vous que voilà, ça peut passer dans le futur. Bon, écoutez, déjà, ça sera fait. Hein. On va déjà s'attaquer aux missions de combat. Voilà, on va s'attaquer aux missions de combat. On aura fait ça déjà. L'entraînement des grandes fées. Donc on va faire ça aujourd'hui. Alors on peut voir que du coup, les grandes fées ont beaucoup discuté et sont arrivées à la conclusion qu'un peu d'entraînement leur ferait du bien. Après tout, si elles pouvaient gagner des rubis par leurs propres moyens, ce serait l'idéal, non? Donc du coup, équipe fixe, temps limité, c'était logique. On peut voir un ennemi principal ici, il y a un officier Igas, sous-fifre Igas et Noya. Ok. En récompense initiale, nous avons une pierre céleste, 5 fées à gagner, 3 diamants bruts, ce n'est pas négligeable, 2 gemmes d'ox et une arme. Et rien d'un matériau exclusif. Donc écoutez, les amis, on s'est équipé. Et bah écoutez, logiquement, on devrait s'en sortir. On l'a bien boosté. Honnêtement, on l'a bien boosté. Et on va partir en combat. Ok, mission de combat. Tant mieux. Et ce sera notre 55e mission de combat. Un très beau chiffre. 2 x 5, parfait. Et paradoxalement, 2 x 5, 10, 10 à côté. C'est juste énorme. Allez, commencer la bataille, c'est parti. Oh oui. Entraînement des grandes fées. Ok. Ok, bon. Aïe, 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 attention. Voilà, non. Ok, attention, chargé. Bon dire, voilà. Alors là, mais on est, c'est ultra cheaté en fait comme truc, non? Éliminer beaucoup d'adversaires. D'entraînement, ok. On va vite éliminer le... Oh par contre c'est chelou quand ça se déplace. Oh ben oui mon gars t'as été con. Mais attendez mais en fait on peut l'avoir même en l'air en fait. Mais c'est un truc qu'on peut même avoir. Mais si... Allez go. Boum. Ok bon ben là... On va... Mais c'est ultra cheaté comme... comme personnage en fait. Je vous jure c'est ultra cheaté. J'ai l'impression que c'est... C'est pas non plus très difficile. Ok. Hop. 100. Tac. Hop. C'est bien, on change de fait et tout. Tac. Et voilà. Officier Igas. Parfait. Oui, là, mon gars, tu t'es mis dans la merde tout seul. Hein. Je suis désolé. Pas gentil ça. On va le calmer. Oh, c'est magnifique. En fait, je sais pas s'il y a quoi en haut là. Après, il y aura Noya à éliminer, à mon avis. Voilà, apparaissent. Alors. Hop. Voilà. Mais c'est ultra cheaté comme personnage, je vous jure. J'ai juré, c'est ultra cheaté comme perso. Noya. J'ai juré, c'est ultra cheaté comme perso. Go. Mais c'est ultra cheaté comme perso. Non mais vraiment. What the fuck. Alors peut-être c'est que, vu que c'est peut-être le premier entraînement, peut-être on en aura plusieurs et tout, mais... J'ai juré, c'est trop bien. Oh bah on va pouvoir tenter d'éliminer Noya tranquillement.
Ah, je suis désolé Noya, mais à mon avis tu vas y passer. Hop, voilà. Hop. Voilà, boum. Bon bah à mon avis toi t'es mort. Hein. Oui non Noya, je suis désolé mais... C'est le jeu qui m'oblige. Ouais voilà. On l'a défoncé, bracelet scintillant, ok pourquoi pas. On l'a défoncé. Bon. On a vaincu Noya. Et on a terminé l'entraînement des grandes fées. Bon. 700 rubis de plus, c'est niveau 31. Alors on a obtenu 3 armes avec elle, c'est parfait, c'est ce que je voulais. Un truc avec Darok, bon ok. Pourquoi pas, alors du coup, une pierre céleste, des choses que nous n'avons pas beaucoup, ça tant mieux, ça fait du bien. Et ça, bon, oh, rubis brut, ça aussi, on en a besoin. Ok. Bon, bah écoutez, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Ah, le fils, ça. Il est fatigué le fils. Alors, mission de combat de réaliser. Bon, bah écoutez, la prochaine fois, nous ferons du coup dans l'amphithéâtre. Donc c'est demain et en plus ça permettra de clore du coup la semaine avec ça. Donc bah, c'est ce que nous ferons. Alors niveau conseiller 30. Hein, et vu qu'on a débloqué un nouveau personnage, pourquoi pas tenter, enfin continue la hype avec ce personnage. Honnêtement, ça me, je suis stupéfait. C'est un personnage trop stylé, trop stylé. Par contre, je veux juste voir un truc avec Darok. Du coup, c'est de la merde. C'est bien ce que je dis. C'est de la merde. C'est de la merde. C'est génial. On a que de la merde. On a que de la merde. Ça me sert à rien de faire ça. Ça me sert à rien. Ah vas-y, fusionne et casse. Non, bah non, mais non, casse. Non, même pas. Ah, vas-y, fusion, ne casse pas les couilles. Voilà. Et toi, la grande fée, s'il te plaît, viens. Viens avec moi. 11, 13, 20, déjà. C'est ça, dégâts infligés. Plus 2% si les cœurs suivent. Ok. Donc, en fait, le meilleur, ce serait... Voilà. Bon, on va juste quand même en, la faire augmenter de niveau ce truc. Juste pour au moins avoir un truc avec nous, quoi. Et du coup, ben voilà, ben, écoutez les amis, on continuera du coup la hype de ce personnage, hein, du coup, dans l'amphithéâtre. Donc, écoutez, c'est ce que nous ferons la fois prochaine. Merci de m'avoir suivi pour cet épisode numéro 101 de notre aventure 100% sur Hyrule Warriors, l'ère du fléau. Et on se retrouve donc très prochainement. Pour la suite tout simplement de ce let's play, enfin demain du coup pour l'épisode 102, et en plus ça permettra de clore la semaine. Si nous n'avons plus rien derrière, on va pouvoir s'attaquer à du scénario pour en début de semaine prochaine. Donc écoutez, tant mieux ça. Alors ça aura fait vraiment 2 semaines full de missions de combat, mais c'était logique. Mais voilà, dites-vous que déjà avec logiquement avec ça, on aura voilà, on aura bien avancé. Et donc, du coup, bah, merci de m'avoir suivi. Et on se retrouve donc très prochainement sur notre, pour notre aventure 100% sur Hyrule Warriors, l'ère du fléau. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Hey!